Mercredi 16 octobre 2024, VOA Creole dans une nouvelle édition Rendez-vous. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Haïti, nouveau développement dans la tension qui a gagné dans la relation difficile entre le Conseil présidentiel transition et Primatula, surtout après mésentente pendant l'Assemblée générale des Nations Unies. Moyen-Orient, Israël continue l'opération contre Hezbollah, côté les frapper quelques zones dans Beyrouth, dans le sud du Liban. Actualité électorale aux États-Unis, candidat lancé dans un coup sans frein pour convaincre électeurs indécis. Haïti, conflit entre KPTA et Premier ministre Gary Conille sous possible révocation ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis, eh bien, la prend l'autre dimension. KPTA a été convoqué mardi, donc hier, Premier ministre sous question. Yves Manuel, des détails. Moi, j'ai toujours eu des rapports et des échanges tout à fait cordiaux et respectueux avec le CPT. Jean Saté prévoit rencontre là effectivement faite à Emadiana après-midi entre Premier ministre Gary Conille et conseiller président yo Leslie Voltaire, Fritz Jean et Régine Abraham, seule femme dans le conseil là, à l'exception de Edgar Leblanc et Laurent Saint-Cyr qui était absent dans la rencontre là, tout monsieur Damsao t'a fait une seule voix pour exiger révocation ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis. Demande révocation madame Dupuyan liée selon CPTA à position ferme li adoptée concernant déportation papil et papaquette citoyens haïtiens qui a vivent en République dominicaine. N'a souligné selon une source qui était participé dans discussion yo qui parlait avec VOA Creole, Premier ministre Gary Conille pas entendre lâcher Dominique Dupuis. Nan sa sa, réunion fini sans pas gain aucune entente en deux parties selon source nan ki pa benol cité. Conseil présidentiel là cependant prévoit réunir yon l'autre fois encore avec gouvernement pour discuter de prochaine étape tant kou nomination yon nouveau directeur général nan tête direction générale impôt pendant yon conseil ministre. Cependant, conseiller yo pas d'accord pour chancelier là Dominique Dupuis ta participer dans conseil ministre. Premier ministre Gary Conille doit travailler main en main avec conseil présidentiel là dans l'idée pour capable attaquer grand défi au lieu que y aurait été dans une bataille pour influence selon un pile observateur. Moi c'est Ivan depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Pendant ce temps, chef diplomatie haïtienne, qui c'est tout ministre haïtien qui vit à l'étranger, Dominique Dupuis, by position gouvernement sous situation haïtien qui vit dans la ville Springfield, dans l'État Ohio, Gentil Augustin Junior. Est-ce que. Dans un chita parlé avec VOA Creole, dans Washington, ministre Affaires étrangères haïtien, Dominique Dupuis, fait connait. Ça qui passe Springfield, Ohio, c'est ça ou carrélé yon symptôme systémique qui existait dans un pile pays qui poko ka débarrasse yo de héritage raciste là. Expression que haïtien mange chien, haïtien mange chat, c'est pas ça pour nous garder. Parce que y a des peuples qui mangent chien, qui mangent chat. Yo va parler de yo. C'est expression pour yo essayer de déshumaniser des monde qui viennent paraître trop tant que monde dans nouveau communauté. Comme ministre haïtien qui vit à l'étranger, li te comprendre qui problème haïtien ça yo trouvé yo. Et gouvernement agit pour faire haïtien connaître yo pas pour compte yo. C'est une question de sensibilisation, de mobilisation pour que nous décrier tentative de déshumanisation ça. Parce que tentative là a un effet néfaste immédiat sur sécurité, intégrité moun kap viv liyan, sur traumatisme que l'a créé, sur impact émotionnel que l'a gagné, mais il gagne surtout un impact beaucoup plus sur le moyen et le long terme qui a vraiment gangréné participation moun ça et chance li pour l'a intégré dans la communauté à voir dans le pays à tout entier. Ministre haïtien kap viv à l'étranger, Dominique Dupuis, te prend position publiquement après déclaration qui te lagui haïtien yon nan gros kouri nan Springfield. Et te di, le gen yon bagay inacceptable kap fait, pa doué gen compromis sous position ki doué prend. Nous va rappeler nous tout comme haïtien que nous pa doué attendre nous en combat qui beaucoup plus profond. Pas garder le seulement nan jodi, a garder le sous conséquences que l'ka gagne sur le long terme. Et c'est dans ce sens que nous avons continué à agir à travers le consulat Chicago, à travers prise de position, à travers sensibilisation et à travers chaque fois pour nous camper, pour nous dire nous ne sommes pas d'accord avec tout ça. Yon citoyen américain dans la ville Springfield,
te gaye parole qui dit que haïtien a mangé chien ak chat nan mois septembre passé ya. Kek politicien te reprann li. Sa ki te vin la geyon van panik ak la perez nan mitan immigrant haïtien kap viv nan ville Springfield, Ohio. Autorité local yo pran disposition pou asiste communauté haïtien yan. Nan intégré yo nan système social ville la, tankou accès pi facile nan système santé ya. Permet yo ka fè permis kondwi yo et latriye. La Maison Blanche te même voye yon représentant al tan de communauté haïtien yan kap viv nan Springfield, Ohio. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Organisation État américain OEA a reporté rencontre l'étape organisée pour discuter sous crise dans pays d'Haïti. Responsable pas bay raison qui fait rencontre là annulée. Jean-Robert te descend dans siège organisation hémisphérique là. Tu as parlé d'une rencontre sous Haïti, c'était le conseil permanent même qui t'a annoncé pour rencontrer ça, pour discuter de la situation du pays d'Haïti. Mais à la dernière minute, bien rencontre ça, l'y renvoyer pour l'autre date. Mais pas de monde qui essaie d'expliquer, malgré que nous essayons de contacter quelques responsables, que ce soit nous pas de cas, jouer, par exemple, délégation Haïti à priorité dans l'autre explication. Mais monde que nous contacter, qui est proche avec l'organisation, eh bien, ils disent que, par contre, pour qui raison, c'est seulement une nouvelle que vous recevez à l'ordre, qui dit que rencontre, t'as pas le fait, pour discuter sur Haïti à, eh bien, on compte ça à l'envoyer pour une autre date. Non, va plus ça longtemps et délégation Haïti a demandé une réunion et organisation justement pour être capable de parler de situation haïtienne que la République dominicaine a déporté yo, et justement pour être demander une attention spéciale pour être et demander autorité dominicaine yo, pour être bien traité et déporté haïtien ou bien haïtien le a déporté en Haïti et peut-être respecter tout accord que Haïti gagne avec République dominicaine et même accord qui gagne même que organisation prévoit même dans cas il y a pays déporté monde ou bien encore réfugié. Donc situation dans pays d'Haïti a lui même tout le capable dans centre discussion autour tant qu'on nécessité pour gagne mettre sous pied un conseil électoral provisoire qui gagne 7 membres qui déjà désignés mais manque 2 membres. Donc appel à plan c'est tout pour que président ou bien pour que conseil présidentiel transition lui désigne deux autres représentants pour capable mettre sous pied et conseil électoral qui c'est première étape pour nous, et qui pour franchir les pour parler de affaires élections. Donc c'est une rencontre qui envoyé et personne par contre pour qui raison exactement mais en pays attendre un peu mon attendre tout pour connait qui les rencontre ça déroulé. Et yon militant kap défend droit monde qui c'est yon descendant africain en République dominicaine dénoncé déportation haïtien. Sandra Lemaire. Yon militant kap défend droit afro-descendant yo déclaré mesure République dominicaine annoncée dans commencement mois d'octobre là pour déporter jusqu'à 10 000 migrants par semaine, c'est un coucou rouge contre moun noir. Les priorités à la sécurité République dominicaine. Après ça, on a expliqué. Si nous obligés par explication, pour qui ça n'a pas fait, mais nous pas obligés expliquer loi immigration qui fait partie fondamentale tout pays. Maribel Nunez critiquait traitement migrants haïtiens à recevoir dans le centre de détention Haïna, dans Santo Domingo. D'après lui-même, il a déporté mineurs pour contre sans monde qui est responsable. Et que même Dominicain noir joue une arrestation sans possibilité pour libération. Lidio Dim, Mounio voyait une façon injuste l'ensemble de vacation. Haïna, sa cap déroulé en dedans, horrible. Yo déporté ti fils sans famille, ti moun. Dominicain noir dit yo mette famille en prison. Yo passé plusieurs jours là, malgré yo gen document qui mande libération yo et yo pas lagué yo. Gouvernement dominicain a blâmé Haïti pour carreau à crime et plutôt insécurité qui gagne en République dominicaine. Lydie Lifine perdit patience à progrès lent mission sécurité internationale qui gagne comme but pour aider Haïti gérer crise là. Nations Unies mandé pays dans la région pour y suspendre déporter Haïtiens à cause situation dangereuse qui existait dans le pays. Si République dominicaine poussait pour plus devant à plan liant, quantité moun ni déporté à Nessa a augmenté 17 hauteurs pour arriver plus passer 200 000 Haïtiens que les déportés par la force.
vice-amiral Lee Ballester, c'est directeur migration dominicani. Il dit communauté internationale a appuyé Haïti, il voyait ressources par Haïti, mais il faut qu'il garde la République dominicaine tout et puis aider la République dominicaine parce que le processus ça a coûté pays à un pile d'argent et malheureusement nous pas responsables. Seule responsabilité nous gagnons c'est que nous partager les idées. Entre dans le pays d'Haïti, conflit gagne la cause, plusieurs milliers de monde mourit et puis plus passé 700 000 obligés courir quitter Kayo. Toujours sur le même dossier haïtien, déportation haïtienne en République dominicaine, Steven Aristide te fait un coup de pied sous frontière Haïti partagé avec République dominicaine. Depuis après déclaration président dominicain Luis Abinader te fait, pour te annoncer chaque semaine, n'a déporté pour plus petit 10 000 haïtiens qui vivent illégal dans la République dominicaine. Chaque jour, c'est plusieurs dizaines de monde frontières haïtiens qui apprécient dans l'immigration pays voisin. Là, nous sous frontières Waname, haïtiens tout l'âge, descendent machine immigration. Il y en a qui parlent avec nous et qui dénoncent mauvais traitements au bayou. Ils ont tout profité de partager l'expérience avec nous. Moi-même, tout ce domaine, tout ce contrat, je vais travailler comme les matins. Le premier jour, je vais venir pour le travail à la zone. Je vais là, je vais dire que je vais être beau, 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 je vais être beau. Si vous êtes là, j'imagine ma place, je vais être beau, parce que vous êtes là, je vais être beau, je vais être beau, je vais être beau. Pour juste qu'on y a, autorité haïtienne beaucoup réagit sur déportation massive, ça. Pendant gang continue à s'y mettre la tobaye dans Port-au-Prince, en pile haïtien qui était décidé à lever Saint-Domingue pour insécurité, trouvé une obligation pour retourner dans le pays, ya. Yon choix qui compliqué pour en pile dans yo. Moi, c'est Steven Aristide, depuis Ville-Ouanamet, pour VOA Creole. C'était quelques grands points qui ont dominé l'actualité concernant le pays d'Haïti. Plus nouvelles, l'entourne. Actualité électorale là aux États-Unis, candidat yo lancé yo dans une course pour convaincre électeurs indécis yo. Valeyo salut. État Nevada a une population de 3.1 million moun. Li probablement pi bien connu pour Las Vegas, qui c'est ville qui pi populaire dans état. Yon ville qui aurait les tout Sin City en anglais. Tom Reilly, c'est un professeur et un expert en démocratie et citoyenneté dans l'université Arizona. But they're a bit of a paradox. I mean they're seen. Li youti jan ke paradox. Moi vle di yo wè li comme peut-être un état libéral dans plusieurs sens parce que c'était premier état qui était vraiment poussé pour passer loi sur divorce sans faute là. Li gen jwèt hasard dans certaines communes, li permet prostitution, mais état gen tout un aspect très très conservatif dans un certain sens. État Nevada a voté républicain dans fin année 1960 yo jusqu'à commencement année 2000 yo. Depuis les ça, État régulièrement balancé entre deux partis politiques. Population Nevada augmenté, li triplé depuis l'année 1980. En pile monde qui fait vini dans État, yo sorti Californie, qui en majorité libéral. Ça qui arrivé, c'est commune Clacla, qui c'est commune côté Las Vegas Chita, où n'y a c'est 72% population qui gagne droit pour voter dans l'État ça. Et donc, ça qui arrive Nevada, c'est que l'été une fois, un État section rurale qui vient tourner un État urbain. David Cardenas, qui c'est un étudiant collège dans l'État Nevada, te fait remarquer politique divisée qui gagne dans l'État. There's Vegas and then there's the rest of Nevada. Gen Vegas et puis après ça gen reste Nevada. Et selon connaissance moi, Vegas gen tendance sous bord démocrate là. Tandis que reste là dans Nevada, c'est plus tendance républicain. Mais pi fond dans population c'est dans Vegas yoyé. Malgré explosion population, Nevada rete yon état côté que grand pile travailleurs avec en pile résident qui a fait travail manuel. So things like bagay tan kou salaire, bagay tan kou chômage, bagay tan kou logement abordable, juste inflation en général. C'est comme ça bagay tan kou prix gaz, tout bagay ça affecté moun yon ti kaspi plus là dans Nevada. Élève collège dans l'Université Nevada qui dans Las Vegas te décrit problème principal yo. Gen kek qui pral voter pour première fois kounya que yo rive dans l'âge pour voter à 18 ans. Definitely abortion. Définitivement avortement, définitivement économie. Qui l'autre bagay? Education as well. État économie, probablement juste problème frontière.
kind of broke moi c'est un jeune qui rase qui dans université moi t'as juste rien capable joindre moyen pour me payer pour manger moi t'as même un seul travail qui paye assez pour aider à tout besoin moi yo. Nevada joue un rôle important comme état champ de bataille, c'est peut-être ça tous des candidats présidentiels yo. Donald Trump avec vice-président Kamala Harris a passé temps yo ici là parce que finalement ça qui passe dans Vegas t'as capable déterminer qui monde qui pourra diriger les États-Unis pour prochain 4 années. Reportage Dora Mikouar pour VOA News Las Vegas. Adaptation créole Valerio Saint-Louis pour VOA Créole New York. Jeudi mercredi, c'est funérailles Itel Kennedy, madame défunt sénateur Robert Kennedy, en présence de quelques anciens chefs d'État, tankou Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush. Membre famille Kennedy a été déjà rassemblé avant hier lundi pour cérémonie privée dans l'église Our Lady of Victory, dans Centerville, Massachusetts. Itel Kennedy, que considéré comme doyen famille, t'a fait éducation 11 timoun après assassinat Maril et il t'a dédié la ville pour œuvre sociale et héritage familial. Il mourit jeudi qui se passait là, il t'a gagné 96 ans. Rendez-vous info programme VOA Créole qui passait chaque jour sorti lundi pour arriver vendredi. Groupe Croissance clôturé jeudi mercredi à 14e édition sommet international finance là qui déroulé pendant 3 jours dans Port-au-Prince. Renan Toussaint a banou un compte rendu depuis Port-au-Prince. C'est amélioré depuis environ 2019-2020. 14e sommet international finance là déroulé pour l'année 2024 là sous thème financer économie haïtienne à partir investissement direct diaspora IDD. Président groupe croissance là, économiste Kester Farrell, dit puisque investisseurs étrangers pas qu'à venir investir en Haïti à cause problème insécurité a jouet là pour diaspora haïtienne surtout pour si là yo qui dans zone Amérique du Nord. Le 4 milliards de dollars mais 1.4 à 1.5 à l'autre côté de Marine du tout service. Ah ouais. République dominicaine. Pour faire qui ça? Acheter manger, bah ouais. Donc, est-ce que nous ne pouvons pas faire manger, nous ne pouvons pas même état dominicain? Donc, ça, nous avons demandé là, c'est que, en regardant, là, 5 millions de monde aujourd'hui, qui est en termes d'insécurité alimentaire là, mais, en regardant comment nous pouvons faire manger. Mais pour nous faire manger, nous avons besoin de ressources humaines, donc, agronomes, dans pile faculté d'agronomie dans le pays aujourd'hui, et, il faut rien comme, terre là. Donc, nous, diaspora, regardons, 1.4 milliard de dollars, cap flané là, donc, comment nous sommes capables d'organiser nous, entreprises locales, et pour attirer l'argent et pour capable prendre au moins 1.4 milliard de dollars avec ça. Donc on pas grand dit mon yo pas voyer comme transfert non parce que transfert c'est pour mon yo capable aider famille. Maintenant c'est comment on va prendre l'argent sans bénéficier. C'était occasion pour plusieurs dizaines d'entrepreneurs et étudiants université majoritairement jeunes te répondre présent dans 14e édition sommet international finance là sur question et finance et technologie et notamment sur question et budget et sommet en permet nous ouais et motivation et gouvernement par rapport avec le budget 2024-2025 là ça dit moi pas gagner chiffre sur croissance négative que Haïti a connu depuis plusieurs décennies, avec un peu de présentation qui fait, qui va nous parler du panorama économique haïtienne. Pendant 3 journées, hein, lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 octobre, ça, te gen plusieurs panels sous différentes thématiques, sous politique monétaire, croissance annuelle, marché assurance en Haïti, enjeux et perspectives, budget citoyen, injustice fiscale et injustice territoriale et diverses lots. Activité dans le business haïtien yo dans Princeville Ohio baissé y a fait mauvais la vente après dernier climat la pérèse qui frappait communauté haïtienne au bed l'ami. Plusieurs business haïtiens dans Springfield a fait mauvais la vente dernier jour ça yo à cause d'un climat la pérèse qui frappait communauté a. Là nous devant Plaza ça dans zone Sid Springfield, il y a un espace qu'on occupe plusieurs business haïtiens. Gagne un restaurant, un barbershop et même une église. Nous avons quelque chose à parler avec le responsable Barbershop là, qui expliquait nous comment l'activité a ralenti depuis quelques jours. Pour une journée, on a 50 ou 60 customers. Quand on vient, il y a un peu de monde.
Ah, bon, je ne vais pas mentir. Ah, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir. On veut couper les cheveux là. Non, il y a un temps, bon, ouais. Il y a un temps, midi 56, pas le fait. Une heure. C'est même son clochatou dans quelques bons goûts qui se yon dans deux seuls restaurants haïtiens qui sont dans Springfield. Haïtiens, on a plus force à pied au marché. On vient à pied en foule. Vin acheter manger là, mais qu'on est au pas venu, y a presque pas, y a pas venu, parce que quelques grand monde qui gagne machine qui venu, cause bah là qui passe là, mon y a venu pas marcher. Quelques bons goûts ouvrent porte lit depuis seulement 6 mois, et laisse à qui te le dit, il était convenu pour jusqu'à $2,000 chaque jour, mais qui j'en a vendu l'année journée jeudi hein. Ma femme vend pour 700, 600, 800 à la rigueur. Mais dans mitan calamité ça, il y a plusieurs citoyens américains qui croient nécessaire pour venir porter renfort by business haïtien yo. C'est conviction ça qui pousse quatre mesdames ça yo conduire machine pendant presque 3 heures de temps, sortir dans ville avec état côté yo habité juste pour venir goûter manger haïtien pour première fois dans quelque bon goût. Nous te voulons venir supporter et montrer tout, c'est pas nous toutes qui fanatiques Trump. Il y a pile monde yo qui vraiment supporter immigrants yo. Et qui supporte qu'il t'y qui différent. Ah, c'est un geste de solidarité qui fait qu'elle sourit. Il vraiment mettre nous contents. Parce que si on vient, on vient supporter nous, on aide nous avec l'économie. Obed Lamy, pour VOA Creole depuis Springfield, Ohio. Ministère de l'Éducation nationale et Fonds national éducation FNE inauguré deux écoles fondamentales dans Rankit et dans Dondon dans le département Nord. Depuis Ville au Cap, Gérard Maxino. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, dans tête collée avec Fonds national éducation FNE, inauguré deux écoles fondamentales dans la localité Wa et Matador dans la commune Rankit et Dondon dans le département Nord PIA. D'après DG FNEA, Jean-Ronald Joseph, c'est grâce à Dola Seca Diaspora qui permet de bâtir l'école Sayo, ça qui rentre dans le cadre de renforcement système éducatif. Là. Nous jouons un fonds à partir de centimes sur les appels internationaux et $50 sur transfert international, là, qui est en majorité dominé par Diaspora. Et c'est une façon tout pour nous capables de remercier Diaspora et en même temps de contribuer dans le développement économique à travers l'éducation. Le bâtiment nous a gardé là, nous avons inauguré, il coûtait Fonds national de l'éducation $52,277,137.64 qui permet la construction ça, il est fait là. Ministre de l'Éducation nationale, là, Antoine Augustin, tu as profité de remercier FNE pour travailler ça parce que selon lui, éducation joue un gros rôle dans le changement et le développement du pays. Nous voulons profiter de l'occasion pour remercier FNE pour le travail là. Et parce que journée aujourd'hui, tout pays qui font un petit pas en avant, c'est l'école. Et si vous regardez bien, vous pensez dans chaque famille, qui gagne un professeur, un ingénieur, un pasteur, un prêtre, un sociologue, un infirmière. Gon ti pa qui fait en avant, gon ti cop qui rentre dans kay la, mais toute famille qui pa gen moun qui kon li. Famille nan plongé dans le désespoir, la superstition et le sous-développement. Tout des cérémonies ça a été déroulé en présence professeurs, élèves, parents ak notables dans des communes ça yo. Responsabilité profiter distribuer kit scolaire by élèves l'école Sayo. Gira Maxino Kabaïsien pour la Voix de l'Amérique. Ou fait bon choix ou branché VO à Creole n'a pas mettre depuis Washington. Au réseau ak Fred Kainit. Un réseau bien network en anglais, c'est les deux ou soit plusieurs ordinateurs ou bien l'autre appareil électronique connecté et à communiquer ensemble tant qu'une une a fait boucanta information à l'autre. Ordinateur sur un réseau qui a connecté à travers câble, ligne téléphone, onde radio ou soit satellite. Il y a plusieurs types réseaux tant qu'une LAN, WAN, ACMAN.
Modèle réseau qui est populaire, c'est LAN à Rennes. LAN qui est défini Local Area Network en anglais, c'est un réseau qui fait pour espace qui petit en cours. Un laboratoire, l'école, appartement, bibliothèque. WAN qui est défini Wide Area Network en anglais, c'est un réseau qui connecte plusieurs réseaux dans plus grand espace. Tant qu'un réseau qui fleurit, capable de connecter à quel que soit l'autre réseau dans le monde là. Connexion capable faite à câble ou bien satellite. Nous arrivons pratiquement à la fin du programme. Avant de nous aller, nous t'arrêmer parler de Sophie Solivo, une musicienne qui jouait harpe. Oui, Sophie jouait harpe, c'est un instrument spécial qui est un petit genre drôle. C'est un instrument qui est entre basse et batterie. Elle joue une place depuis la première note. Sophie Solivo, pas seulement harpiste, mais elle est chanteuse tout. Elle fait partie 10 finalistes prix musical Joséphine hein, grâce à premier album ni qui relait Initiation. Un journal intime côté eh ben ouais toute bagaille dans place. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans le programme, c'est un plaisir pour nous te servir. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Passez une bonne fin de journée, moi c'est Jacques Lebelissé. Pour permettre que entendre qui ça exactement que Lionel Lassa lui-même lui dit puisque jodi an gen en pile question qu'a posé gen en pile tout qui gagné par rapport avec ça capable dit ensemble de bandits que la police dit qui mouri dans base vite l'homme innocent qui s'est basé craser barrière mais moi avec désir venesse laissez me dire avec ça mettre en autre nous jodi an. Moi veux que chaque monde cap garder émission ça et comprendre très bien ça n'ral dit là yo. Nous pas venu pour nous cracher sous travail la police nationale d'Haïti. Et en même temps tout nous pas encourager et quel que soit monde qui a craché sous travail la police là. Parce que n'a pas d'accord que des civils nous gagne des vaillants policiers et cap travail cap faire de gros sacrifices. Et je dis, hein, malgré tout ça que vous êtes capable de reprocher la police, il faut que nous reconnaissions les sacrifices et les efforts que les policiers ont fait dans le cadre d'opérations menées. C'est vrai que nous connaissons que nous avons pile faiblesse, nous avons pile mauvais graine dans la police. Là. Nous connaissons que nous avons perdu confiance dans l'autorité que nous avons là. Yo. Mais ce n'est pas une raison tout. Pour que nous ap craché ou disons que ap découragé, ap dévalorisé et sacrifice ou ensemble de policiers ap fait. Bon, c'est que moment, au lieu que des séries de monde ap craché, travail la police, non? De préférence, on nous mette plus pression plutôt, nan permettre que la police, non? Li bay résultat ou disons que autorité concernée yo, yo ben résultat. Et je dis, hein, li tout à fait normal. Et si que population haïtienne non, si que le perd confiance dans autorité policière nou yo. Bien dit, li tout à fait normal si que population haïtienne non, li perd confiance dans autorité policière nou yo. Et si que le perd confiance dans autorité nan pire niveau dans l'état. Et parce que si la passé avant yo, yo c'est des bluffeurs, yo c'est des racketeurs, yo crasé paysan et je dis qui fait que quel que soit moun qui dans l'état qui je dis là t'a vinn parler avec peuple li pas fait moun sa confiance des ibenes. La situation en pile fois et nous garder nous tendez n'a chercher comprendre ensemble de position que citoyen et qui peut-être a bénéficier de travail la position et n'a pas peut-être une question qui ça cause que comportement comportement ça mm-hmm. Parce que c'est pas parce que yo trouvé en pile fois dans des situations que autorité qui ont dans pays pas jamais parler vérité dans ça que yo dit mais ça vient permettre que population manque confiance dans ça que yo tendi maintenant cap à la police tant qu'on dit li mérité que regarde question dans l'autre dimension chercher comprendre sacrifice que monsieur a fait parce que en pile là yo qui déplacé cal dans des quartiers et ça qu'a fait en Haïti hein, policier grand banditisme. Exact. En pile policier abandonné déjà. Mais ça qui était là, on essaie trier ça qui bon là-dedans parce que des mauvais graines là-dedans tout, blessent personne pendant des bon graines quatre batailles.
porte-parole adjoint police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, qui présentait bilan opération la police privée menée et la police avec officier Kenya, parce que c'est pas policier tout simplement. Exactement. Il arrivait mené dans Gressier, dans base Kokorat sans race, à quatre dans base crasé barrière dans Torsel. Il fait quoi? Il y a une vingtaine bandits crasé barrière, rivé tomber en bas balle la police pendant qu'on a échangé. Il fait quoi? Il y a plusieurs autres qui sont blessés dans cadre opération ça. D'après ça, Lionel Lazare, il fait quoi? Les personnes, il déclarait la police récupérer plusieurs armes, munitions, téléphones, matériel et équipement sensible. L'imande support population pour continuer à aider la police en cadre mission que vous gagnez dans la bataille qui peut permettre que vous prenez contrôle le pays dans tout niveau. Blaise, le pays a une grosse annonce sur lui. Ça a passé. Pour ça... 17 octobre, qui a venu là, ah, okay. Pour commémorer la mort en presse Jacques Dessalines, et bien, dirigeant Réveil National pour ONT d'Haïti, a allié lieu annoncé les personnes, une journée manifestation d'emblée, 17 octobre, qui a venu là. Donc, on dit, c'est une occasion pour être capable de commémorer la mort de Papa Nation de Jacques Dessalines. Dans l'occasion, il fait quoi qu'il y a bien, il y a une messe action de grâce qui a chanté. Non, mais moi, après, d'après ce que j'arrivais là, Jean-Tel Joseph, il fait quoi international là, qui passait le même pour détruire Haïti, l'image des populations haïtiennes, puis prendre responsabilité pour faire face avec question ça, parce que il paraît extrêmement difficile. Frère, c'est équipe qui Philippe, fait partie de la situation, eh bien, Frendi n'a pas prêté ou il a gardé des questions comme ça. Il a mobilisé dans tout niveau. 17 octobre, quand il est là, il a bien pour dans la rue. Et fois ça, Guy Philippe a annoncé la situation. Là, avec sécurité, il n'est pas prêt d'accord pour pièce nègre qui prend des lots manifestement illégal qui pouvait venir au gaz, l'a réagi. C'est ça que Guy Philippe déclaré. Est-ce que il a grandi sur la porte au prince, que la vie? Bon, par contre, qui compte la pied, mais Guy Philippe dit pas d'accord. Pour la gaz, non mais des nègres qui prennent des lords, manifestement illégal, la bien pour riposter et réagir. La 17 octobre, il a annoncé la couleur dans tout le pays d'Haïti et dans même département de la Tibonite. Au Gonaïve, mouvement annoncé. Dans Ville-Sémac, mouvement annoncé. Dans Port-au-Prince, mouvement annoncé. Dans Grand-Anse, mouvement annoncé. Dans Sud, mouvement annoncé. Pour dire avec autorité dans l'État, ça qui a passé là, il n'est pas normal. Les personnes. Leslie Voltaire. Ça a passé. Lavalas, hein. Si chinois, ça dit actuel président conseil présidentiel transition. Mm-hmm. Monsieur n'a un litige sérieux. Avec qui est? Monsieur envie mettre à terre chancelier haïtienne. Nous voulons parler de madame Dominique Dupuy. Mm-hmm. Pendant Gary Conny rentré là, t'as une convocation qui était faite pour Gary Conny tal bay rapport, tal répondre pour qui ça? Il était fait madame Dominique Dupuy pas répondre avec rendez-vous qui était bali. Mm-hmm. Après 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Mm-hmm. Le bagay, semblait chinois. T'es chinois fâché. Et pas oublier que t'es chinois, c'est Lavalas que lié. Et l'autre dit Lavalas ou est Aristide. Mm-hmm. Madame Massé. Pour des prépositions par rapport à Jean, il a traité compatriote haïtien. Information t'a fait quoi? Que Leslie Voltaire réalisait que madame Dominique Dupuy était trop sévère. À travers les propos, à travers les mots qu'elle t'a utilisé pour te parler avec la République dominicaine. Et pas elle t'a tout gardé tout. Pas oublier des citations, mon petit monsieur, pas oublier que l'estime t'a besoin de retourner encore ce domaine. L'elle t'a malade récemment, elle a été courue aller. Elle a dit là, j'ai madame Dubé réagi, hein? C'est comme quoi elle tout bouché barrière pour que l'estime t'a parlé. Pas nous, mon bagaille autour, comment qu'elle enchaîne un bagaille au désir? Très bien. Madame Dominique Dupuy, qui permettait de donner la bouche pour garder question en blesse personne, lui-même garder compatriotes nous, qui dans Springfield. Qui n'en voyait pas, cap qu'on est une situation très difficile et dit le pas normal pour ça continuer sans des nègres fâchés, esclaves blancs, esclaves colons, yo fâché de la situation, yo envie de retirer Dominique Dupuy. Il y a des citoyens qui disent, c'est dernier goût de l'eau, cap qu'on reste vaza, parce que ouais, jusqu'à présent, dans le gouvernement, ça, si il y a un monde qui va la coca compter sur lui, la difficile pour le pas Dominique Dupuy, jeune femme à quoi ça, cap goumet, représenter pays valablement la situation. Songez, discours. Que Edgar Leblanc-Fils te li dans les Nations Unies, Edgar te gen courage pour te dire que c'est le ministère des Affaires étrangères qui te prépare le discours à Bali. Sans doute, c'est un coup de crayon, madame Dominique Dupuy, blesse de son. Désir, laissez-moi vous dire. Oui, question qui a pété ça, je vais venir avec la police. Non, oui? Et ça m'a dit capable de déranger. Mais c'est une vérité pour moi-même. Oui, que même gens que Leslie Voltaire, qui chinois, qui c'est actuel président KPT, qui m'en a arraché
pour révoquer Madame Dominique Dupuis et Gary Conny Campé en bon en GDG béton en bon 18. Il dit que Madame Dupuis pas révoqué et pour révoquer Madame Dupuis pour avoir craser tout gouvernement même les que Gary Conny montrer que pas gagne comme problème entre lui-même avec KPTN, menti. Ge gros litige, ge gros torchon kaboulé entre PM Gary Conny et puis conseil présidentiel yo. OK? Parce que si à chaque fois que PM Conny a montré que pas de problème, ben c'est parce que des problèmes qui fait que la vente on la bagarre dans l'opinion. Ba on si comprendre ça me dit non? Si à chaque fois que les que PM Gary Conny est sorti à l'étranger, il est entré en Haïti, ou dis-moi ce que dans des conférences pour la presse, la montre que pas gain un comme problème qui existait entre lui-même qui a dirigé le gouvernement là et KPTN s'est menti, c'est parce que gain un problème qui existait entre deux têtes exécutives yo. Parce que pas oublier que des Ivenes, monsieur Damio te dit que, il n'y a pas qu'à quitter seulement